Chers spectateurs, merci de nous rester fidèles. La rédaction d'Equivox TV reçoit dans, dans le cadre de l'émission C'est politique. Euh, monsieur Daha Diallo, il est le coordonnateur du mouvement Action Républicaine, par ailleurs responsable politique de l'APR à Kaoulak. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur Sam. Okay, merci d'avoir répondu à notre invitation. Une première question votre parcours politique. Où est-ce que tout a commencé Merci beaucoup, monsieur Sam. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me libérer d'un fardeau en vous remerciant pour cette invitation en vue d'échanger avec vous sur des questions qui intéressent l'opinion nationale, voire internationale. Donc, c'est un plaisir. Et c'est le moment aussi de, de vous féliciter votre équipe, l'équipe Equivox TV. C'est vrai que c'est une structure qui et jeune du point de vue âge, mais quand même qui est en train de se tailler, disons, un chemin et se faire une place de choix dans le terrain médiatique. Ceci dit, soyez en remerciés et féliciter. Merci. Moi, j'ai très tôt démarré ma carrière politique. Il faut dire qu'après les études à l'université et, et ma formation à l'école nationale d'administration, j'ai aussitôt intégré euh, l'arène politique. Mais il faut dire que bien avant cela bon, je suis issu d'une famille politique parce que mon père fait partie des collaborateurs d'Abdullah Wade pour preuve bon, si vous allez à l'institut libéral le nom de mon père figure parmi les premiers combattants du parti c'est vous dire que bon, je suis né dans la politique j'ai grandi avec et ensuite bon je me suis lancé comme étant une passion chez moi mm -hmm. depuis quand vous faites de la politique disons que c'est depuis vers les années mais j'ai commencé les activités, mes activités à proprement parler, après 2017, après 2007 dimanche, mm -hmm. la sortie de l'ENA. Mm -hmm. Mais étant à l'université déjà, on, on, on menait des activités politiques, des mm -hmm. activités syndicales et on dirigeait aussi des amicales. Mm -hmm. mm -hmm. Vous êtes responsable politique de l'APR à Kaulak. Comment fonctionne le parti euh, ces temps-ci dans la région du Sinsaloum, après, part... après notamment le départ de Touré Bon, disons que le parti se porte merveilleusement bien à, à Kaoulak, si on sait que Kaoulak, bon, c'est une ville ou une région tout à fait politique. Euh, c'est le fief, ne l'oublions pas, de Moussafa Agnès. C'est une ville ou une région où, quand même, la paire s'est très bien implanté et que le, la, la paire, ou le Benobo Kiyakar, se porte à merveille dans la région de Kaoulak, mmh. malgré, disons, le départ... De Mimitouré, ceci ne va rien changer mm -hmm. et l'avenir nous édifiera. Mm -hmm. Un départ forcé Forcé, non, je ne dirais pas. Mm -hmm. C'est On est dans le cadre de la gestion d'un État mm -hmm. et que le président de la République, c'est à lui que revient mm -hmm. le pouvoir de nommer aux fonctions civiles et militaires. Mm -hmm. S'il estime que Mme Mimitouré devrait faire partie de son casting à un moment donné, et que par moment, on avait besoin quand même du sang nouveau, on avait besoin de changer. Quand même, bon, je dis que ce n'est pas un départ forcé, mais c'est plutôt un départ encadré et, et, bien, et, bien, et, bien, et bien pertinent. Mm -hmm. euh, par rapport à l'actualité, il euh, y a une affaire qui continue de tenir en haleine tous les pays, c'est l'affaire euh, Ousmane Sonko-Adissar. Comment est-ce que vous l'appréciez Bon, comme tout le monde l'apprécie, apprécié, hein, il faut dire que ça a suscité une grande émotion un choc vraiment surprenant mais il faut dire que bon c'est ça ça entre dans le cadre de la vie des individus c'est des hauts et des bas quoi qu'on puisse dire chez Ousmane, son co président de PASSEF, mm -hmm. c'est notre aîné nous dans l'administration étant un ancien inspecteur des impôts de domaine oui. moi contrôleur du trésor mm -hmm. donc on a quand même des, 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 des trucs en commun mm -hmm. Bon, maintenant, par rapport aux accusations qui sont portées mmh. sur lui, en fait, nous, on, on va plutôt être prudent. Prudent dans la mesure où, bon, c'est une affaire pendante devant la justice, mmh. on n'a pas encore tous les éléments, même s'il y a des, des, des audios ou, disons, des trucs qui fuitent, mmh. on préfère quand même, disons, <coughs> rester prudent laisser la justice faire, faire son travail, mm -hmm. à partir de ce moment-là, je pense que bon, quand tout sera clair, euh, les gens n'auront pas besoin de se rassembler ou de, 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 de faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais est-ce que quelque part cela ne laisse pas entendre une certaine tentative de liquidation d'un adversaire politique Non, liquidation, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que quoi qu'on puisse dire, bon, bien que Ousmane Sonko a eu un parcours disons, un peu mm -hmm. une ascension un peu fulgurante, mais il faut il faut ne, ne vous perdez pas de vue que cette ascension là mmh. c'est disons la somme il l'a acquis il l'a acquis' plutôt mmh. bon à la suite d'une sorte de victimisation donc c'est un, 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 un gain de, de victimisation qu'il a aidé à se propulser au devant de la scène politique mmh. pourquoi il dérange le pouvoir Ousmane je ne pense pas qu'il puisse déranger le pouvoir bon en fait nous, on, de notre côté, on, est, on, on dort tranquille. Hein? Mm -hmm. Si on a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, si on a plus de 50% aux élections passées, à cela s'ajoute l'arrivée de Michel Seck, Et d autres, d autres, on, on va bientôt répertorier ou recenser d'autres arrivées. Je pense que Michel Ousmane Sonko ne nous, nous empêche pas de dormir. Mm -hmm. La levée de son immunité parlementaire Je pense qu'elle sera effective. Maintenant, par rapport. Par rapport bon, mm -hmm. en fait. C'est, disons, une protection, une barrière oui. qui empêchait à, 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 aux autorités judiciaires de faire leur travail. Mm -hmm. Donc, une fois que bon, cette, cette immunité est enlevée, à partir mm -hmm. de ce moment-là, euh, le dossier mm -hmm. va suivre son cours. Mm -hmm. Pensez-vous que cette immunité parlementaire du euh, député Ousmane Sonko puisse être levée dans la mesure où aujourd'hui on parle d'une plainte contre X Bon, en fait, je ne pense pas que cela puisse enlever en rien ou, disons, Empêcher aux autorités de faire le travail. Okay. Si c'est une plainte contre X, mm -hmm. et que, 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 je ne pense pas que ça puisse poser mm -hmm. un problème bon, mm -hmm. dans le déroulement normal de, 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 de ce dossier, mm -hmm. étant donné que c'est un dossier très sensible. Mm -hmm. Parce que si les gens ce oublient, c'est que bon, c'est une dame, c'est une, une demoiselle, je dirais, mm -hmm. qui, qui, qui a accusé Ousmane, M. Ousmane Tango, mm -hmm. Une demoiselle sans armes, sans protection. Oui. Qui. Sans expérience. Sans expérience, qui a gagné sa vie à la sueur de son front, mmh. qui est victime. Mmh. Qui, quelque part, n'a bon, pas le soutien familial qu'il faut. Mmh. Et si une dame, pareille, dans le cadre le de l'exercice de sa fonction, mmh. serait violée par quelqu'un qui aspire à des, disons, positions ou postures étatiques, mmh. aussi élevées que le président de la je dis qu'il y a problème. Et que jusque-là, ce que je déplore, c'est que jusque-là, on n'a pas encore entendu les, les mouvements de défense des droits de l'homme, de la femme, etc., etc., se prononcer sur la question. Oui. C'est comme oui. s'ils étaient plutôt, mmh. plus ou moins, oui. consentants. C'est un silence ou, coupable. C'est un, un silence buissant de paroles. Oui. Et c'est un silence vraiment coupable mmh. Et à regretter. D'accord. Je rappelle qu'il est responsable politique de l'APR à Kaolac. On vous a aussi connu euh, dans le combat politique. Et certains pensaient même que vous êtes un adversaire féroce d'Idrissa Sasek aujourd'hui, qui, qui a rejoint le camp présidentiel. Ça a suscité, ça a suscité beaucoup de débats même. Euh, après ce ralliement d'Idrissa Sasek, euh, quand vous avez reçu euh, l'information, c'était quoi vos premières impressions En fait, mes premières impressions, ce n'est rien d'autre que... On est en politique, hein? On est en politique. On n'a pas d'éternels ennemis. On n'a pas de perpétuels adversaires mm -hmm. ou par alliés. Nos, nos seuls alliés, où ce sont nos intérêts. Mm -hmm. Et c'est à nous de les, de, de, les, de les défendre. Il sait que ce qu'il a fait, je pense que c'est l'intelligence de situation qui le dicte. Parce que avec l'avènement de, de la COVID, on s'est rendu compte que euh, tous les leaders ou, politiques ont été conviés au niveau du palais. Et tout le monde avait accepté, a répondu présent. Donc, le fait de, de venir adhérer à la mouvance présidentielle, pour moi, c'est une conscience. Dans la mesure où on sait que, vu, vu que fait, la pandémie, la maladie, elle est mondiale, oui. c'est une pandémie, mmh. toutes les économies en souffrent. Maintenant, à quoi bon pour quelqu'un comme Seck, avec tout ce qu'il a comme culture politique comme expérience dans la gestion des affaires de l'État, se mettre à l'écart et se mettre à crier mm -hmm. ou à, 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 à s'opposer éternellement. Je pense que c ce qu'il a fait, c'est quelque chose à saluer et véritablement, c'est mm -hmm. de l'intelligence de situation. Mm -hmm. En tout cas, ça a laissé un vide du côté de l'opposition. Aujourd'hui, on ne sent plus l'opposition. Il y a Khalifa Sali qui est en confinement politique. Euh, Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est cité dans ces mm -hmm. affaires de morses-là finalement l'opposition au Sénégal est-ce que ça pourra faire le poids devant Macky Sall? ça ne l'a pas été je ne pense pas que ça ne le sera et que c'est vraiment nous on s'en félicite de toute façon parce que aussi bon, tout parti politique a deux missions accéder au pouvoir et une fois au pouvoir essayer de s'y maintenir donc, si vous, en tant que journaliste d'investigation, vous avez fait le constat qu'il y a un vide politique dans l'opposition, vraiment, nous, nous nous en félicitons. Et c'est le moment de féliciter tous mes camarades de parti et de la mouvance Benoît Bokayakar. Mm -hmm. Revenons-en à, à vos ambitions politiques. Aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions Présentement, moi, je suis coordinateur d'un mouvement. Oui. Et que. Le combat, c'est un combat qu'on fait derrière et pour le compte du président Macky Sall. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à vos actions politiques. D'habitude, on voyait partout sur le terrain, notamment au temps où Mimou Ture était encore dans le gouvernement du président Macky Sall. Mais aujourd'hui, on sent nettement que vous êtes quelque part en confinement politique ou bien Non, je dirais pas un confinement. Seulement, ce qu'il faut, qu faut préciser et retenir à la limite notée, c'est qu'à un moment donné, c'est Mimi qui m'a trouvé à Kaolak. Euh, euh, Nos relations avec Mimi, c'est une histoire que je vais vous expliquer. C'est Mimi, quand il a eu des problèmes à Dakar, bon, il est venue à Kaolak. En venant à Kaolak, les gens voulaient lui barrer la route. C'est ainsi, puisque bon, c'est trop euh, sur le terrain, mm -hmm. que j'ai organisé des points de presse pour la défendre. Mm -hmm. Et demander aux gens de, de la laisser parce qu'elle était venue pour disons euh, augmenter, massifier le parti. Parce que aussi, pour moi, la politique c'est ça, c'est la massification, c'est la défense. Massification parce qu'on sait que les votes ne se pèsent pas mais se comptent. One man, one vote. C'est dire que si Mimi vient et que elle, elle nous aide à massifier le parti. En fait, on devrait faire que véritablement l'accueillir à bras, à, à bras ouverts. Mmh. Mais malheureusement, pour des raisons de jalousie de, 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 mmh. politique, mmh. donc on, on essayé de, de, de libérer la route. Mmh. Et donc, je me, je, je me suis battu pour qu'elle soit acceptée à Kawalak. Mmh. C'est ainsi qu'elle a demandé à me rencontrer. Donc, ce n'est pas moi qui ai demandé à aller vers Mimi. Mmh. Moi, ce que je faisais, c'était tout à fait normal en tant qu'homme politique. Euh, qui essayait de défendre une camarade de parti. Mm -hmm. Maintenant qu'elle est partie, ça ne change en rien mon militantisme, encore moins mes activités politiques. Mm -hmm. Tout au plus, c'est le moment d'ailleurs de, 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 de rappeler ou de, de rassurer M. le Président de la République, parce qu'à suivre l'actualité politique, on a comme l'impression que Mme Mimi Touré, Aminato Touré, dit Mimi, est en train de, de se tailler, de se frayer un autre chemin. Mm -hmm. Nous ne partageons pas les mêmes visions. Nous, nous sommes de la mouvance présidentielle et nous mmh. continuons à être dans la mouvance présidentielle. Mimi, si là des ambitions à Kaolok ou disons des ambitions à l'échelle nationale, mmh. ça peut-être à, à l'occasion des élections à venir, ce sera une manière de, de, de valider ça de manière factuelle. Mais jusque-là, ce que je peux dire, mmh. ce qu'on doit retenir à la limite, noter, c'est qu'elle est partie, mais ça ne changera en rien mmh. le score au niveau de Kaolok. Mmh. Pourquoi alors on ne vous voit plus sur la scène politique non, c est, c est, il faut dire que depuis un certain temps il n'y a pas d'activité à proprement parler mmh. moi je menais des activités de gauche à droite et comme vous avez pu mmh. le constater on a on a on, en fait mmh. c'est pendant des, des, des activités politiques qu on a, qu on, que a notre mmh. véhicule mmh. oui. Oui, votre véhicule uh -huh, a été brûlé a été brûlé oui. ce, ce, ce véhicule là mmh. euh, pour la petite histoire c'est au moment où mimitouré mmh. Les gens lui barraient la route, à organisé, disons, un tour de famille, mm -hmm. invitant les, 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 des responsables mm -hmm. et des griots pour qu'ils expliquent l'histoire et pour que la, la population sache qu'elle a des, 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 mm -hmm. de la famille à Kaolok. Mm -hmm. Que j'ai été convié, c'est en quittant mm -hmm. cette cérémonie-là, mm -hmm. en partance à Kerma mm -hmm. que le véhicule a pris feu. Ok. Alors, une question aussi actuelle, c'est par rapport à la COVID-19. On a noté ces temps-ci qu'il y a une flambée des cas de COVID-19 dans la région de, de Kaulak, malgré les tentatives de sensibilisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dû à cette recrudescence des cas de COVID-19 à Kaulak Bon, par rapport à la COVID, il faut, ce, ce qu'il faut, qu faut d'abord rappeler, c'est que c'est évolué dans un contexte assez particulier dans un contexte de mondialisation. Parce que vous savez, un cas ou une maladie en Asie pouvait rester plus d'un siècle sans venir en Afrique. Mais ce qui fait le charme ou disons le problème de, 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 de la vie de nos jours, c'est l'extraordinaire contraction du temps et de l'espace du fait des moyens de communication. Est-ce oui. que je me fais comprendre oui. Maintenant, bon, en un laps de temps, une maladie qui était en, 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 en Asie est répandue un peu partout dans le monde. Le monde ne s'y était pas préparé. Et ça a montré à l'humanité que même les, les, les plus, plus puissantes mm -hmm. pays ne pouvaient pas gérer ça seuls. Mm -hmm. Maintenant, par rapport au Sénégal, il faut, il faut, il faut se féliciter de, 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 de mm -hmm. la démarche, disons, proactive de nos autorités qui ont eu à anticiper. Mm -hmm. Ce qui nous a valu véritablement. Des remerciements, voire des félicitations mmh. à l'échelle internationale. Mmh. Mais il faut dire que, bon, dans, dans, avec, avec, avec la deuxième vague, oui. je, je préférerais même la seconde vague, mmh. parce que dire une deuxième vague serait supposé peut-être. Ah, une troisième vague. Mais je, je, je préfère la mmh. seconde vague. Mmh. Et à moi, bon en fait, ça, on a enregistré beaucoup de, de pertes en vie humaine, mmh. mais malgré, malgré, disons, tous les efforts des populations. Parce qu'on a, on a senti un grand talent de solidarité, mm -hmm. de, de communautarisme, mm -hmm. euh, pour, pour véritablement endiguer ce fléau ou cette pandémie qu'est qu est, qu est la COVID-19. Mm -hmm. Alors, il y a aussi un autre débat qu'on qu a quelque part délaissé du fait de, de l'existence de, de la pandémie au Sénégal. Euh, C'est la question liée au troisième mandat. Mm -hmm. euh, en tant que responsable politique de la mouvance présidentielle, Comment est-ce que vous appréciez cette question-là aujourd'hui qui refait surface Bon, par rapport à la question du troisième mandat, je dis que bon, cela revient, reviendrait aux, aux autorités, au Conseil constitutionnel, qui, qui, qui a les aptitudes et les compétences pour dire si oui ou non le président Macky Sall a le droit d'être de, de, candidat à sa propre succession. Mais nous, en tout cas, en tant que responsable, en tant qu'acteur politique, étant de la mouvance présidentielle nous notre, notre rôle c'est d'aider le président à avoir un troisième mandat s'il le souhaite en tout cas ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se lever pour nous dire que non vous savez non non, non. nous nous souhaitons que le président se représente ah bon? en vue de l'obtention d'un troisième mandat en tout cas si la constitution le lui permet mmh. si le conseil constitutionnel délibère et accepte mmh. ou valide sa candidature Rien ne l'empêchera d'être candidat aux, aux prochaines élections. Mm -hmm. Encore que, bon, on a le vent en poupe, on a toutes les chances de notre côté pour, pour, pour pouvoir véritablement conquérir ou reconquérir le pouvoir, mm -hmm. facilement. Mm -hmm. Alors, nous sommes arrivés euh, au terme de l'émission. Nous allons laisser le soin à Monsieur Dahadialo de, de nous faire part de son dernier mot. Bon, ce que je voudrais dire euh, en dernier ressort, c'est d'inviter la population a beaucoup plus de sérénité. Parce que le cas sonko Ajissar n'est pas une petite affaire, comme le penseraient d'aucuns ou ses, ses partisans. C'est vrai qu'on est dans le terrain politique et que tout organisme vivant attaqué a besoin d'être défendu par ses propres anticorps. Mm. Donc c'est tout à fait normal que les pacifiens ou les patriotes, entre guillemets, essayent de défendre leur leader, mais cela ne, ne, ne doit pas le faire perdre de vue c'est une affaire sérieuse et d'ici quelques jours euh, l'avenir nous donnera raison parce que bon c'est pas une petite affaire les gens ont tellement de preuves accablantes contre son qui font que les gens doivent faire beaucoup attention si il y a des détenus au niveau dans toutes les prisons d'aucuns ont été victimes ou ont, 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 ont fait disons des délits mineurs euh et ces derniers n'ont pas de, de défenseurs. Donc, mm -hmm. euh, si Sonko est accusé d'une affaire aussi grave, je mm -hmm. pense que enfin, jusque-là, les gens pourront de gauche à droite sauter, Mais d'ici peu de temps, mm -hmm. euh, je pense qu'ils auront autre chose à faire que d'essayer de, que de, que, que de, de. Et puis, l'autre aspect, c'est l'appel à l'insurrection, la, mm -hmm. ce qu'il faut éviter. Mm -hmm. Je pense que nous sommes nés, nous avons grandi sans connaître les partis. Le Sénégal nous appartient, le Sénégal a été construit par nos parents, c'est à nous de continuer ce lec-là qu'on va laisser à, 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 à d'autres héritiers. Donc c'est dire que c'est lâche pour un homme responsable que de se laisser manipuler par, disons, un responsable qui serait euh, accusé d'une tentative, de, tentative de, de viol avec euh, menace, menace de mort, etc. etc., etc. D'accord. Alors, euh, merci beaucoup à Monsieur Diallo qui a répondu à, à toutes nos questions. Donc, c'était l'occasion vraiment de revenir sur ces questions actuelles, notamment la COVID-19, l'affaire Ousmane Sonko-Adissar. Euh, nous sommes maintenant à la fin de notre émission C'est politique sur Equivox TV. Merci de nous avoir suivis.